Allez, s'il te plaît, décroche. Désolé, Martin est très occupé en ce moment. Rappelle-le demain, s'il te plaît. Oh, toi, tu as ruiné toute ma famille. Je suis désolée que Martin me préfère. Et c'est mon tour maintenant. Ouais, c'est ça, dans tes rêves. Tu vas payer pour ça, Megan. Les filles, le dîner est bientôt prêt. Oh, qu'est-ce qui se passe? Maman, n'arrête pas de m'embêter. C'est la faute de Christy. Oh, c'est toujours la même chose avec vous trois. Comment vous avez réussi à faire autant de bazar? Maintenant, qui veut un petit goûter? Nous! Tenez, mais promettez de plus jamais vous disputer. Je peux vous faire confiance là-dessus, hein? Alors les filles, qui veut jouer? Phew, c'est épuisant. Oh Martin, quand est-ce que tu vas revenir? Allez, s'il te plaît, décroche. Ah, c'est encore elle. Je suis tellement pas d'humeur pour ça. Ah, je m'en occupe, chérie. Oh, désolée, Martin est très occupé en ce moment. Rappelle-le demain, s'il te plaît. Oh, je peux pas croire que tu m'aies fait ça. Eh ouais, ça craint d'être toi, ma jolie. Les filles, c'est l'heure de la visite médicale. Soyez sages, d'accord? À qui le tour? Êtes-vous prêtes toutes les trois? Pourquoi on commencerait pas par toi, Christy? On doit juste faire quelques tests. Ça fera pas mal, je te le promets. Pas question! Allez, ma chérie, ça prendra qu'une seconde. Non, tu peux pas m'y obliger. Et si je te donne un nouveau jouet? Oh, d'accord. Très bien, maintenant ne bouge pas. Ça va aller, chérie. Bon travail, on a presque terminé. Il reste plus qu'une petite chose. Tu as été très courageuse aujourd'hui. Ah, te voilà, Christy. À ton tour maintenant, Polly. On va juste faire une petite piqûre. Et maintenant, on va te peser. Très bien. Ah, Megan, je t'attendais. Oh, j'ai complètement oublié de leur acheter des vitamines. Attendez-moi là, d'accord, les filles? Bonjour. Bonjour, tu cherches quoi? Maman, je suis fatiguée. J'ai faim. C'est quoi ces pleurs maintenant? On va vous remonter le moral un peu. Oh, regardez, vous deux. Oh, un clown! Tu fais quoi dans une pharmacie, idiot? Et Sirette, regarde ce que je sais faire! Youpi! Oh, vous êtes trop chou quand vous êtes contente! Eh bien, c'était amusant, mais je devrais vraiment retourner travailler maintenant. Thank you! Tu sais quoi, Miss? Je te trouve très belle. Ça te dirait qu'on sorte ensemble? Désolée, je peux pas faire ça. Je dois y aller. Ok les filles, c'est l'heure de rentrer à la maison. Martin, oh, t'es en retard, encore une fois. Désolée, tu sais comment est mon travail. Bref, qui veut de la glace? Oh, cet endroit est plutôt sympa. Qui veut venir avec moi? Prenez tous les parfums que vous voulez. Je veux fraise. Et je veux chocolat. Et moi, je veux vanille. Miam. Yeah. Oh Martin, tu me manques tellement. Allez chérie, décroche. Je suis un peu occupée en ce moment, Kylie. Tu décroches pas, hein? Pas grave, je te retrouverai de toute façon. Tu sais que tu peux pas me résister. Oh ouais, canon, Kylie. Allez-y, je vous rattrape. Merci, papa. Cette glace est délicieuse. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Martin, ça
sale traître! Salut, Miss Kitty! Oh, t'es trop mignonne! Hein? Qu'est-ce qui se passe, Martin? Ok, calmez-vous, d'accord, mesdames? Toi, tu as ruiné ma famille! Eh bien, je suis désolée que Martin me préfère. Allez, Martin, on s'en va! Oh, comment t'as pu me faire ça? Oh non! Hein? Les filles? Où est-ce que vous êtes? S'il vous plaît, revenez! T'aurais vu mes filles quelque part? Oh, regardez tous ces trucs! Je vais en acheter un! Mais on n'a pas d'argent! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? Qu'est-ce qui va pas, les filles? On veut acheter ces peluches, mais on peut pas! Oh, je m'en occupe! Vous aurez autant de peluches que vous voulez! Ça fera 100$. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Les filles, où vous êtes? Oh, peut-être qu'elles sont dans le magasin de jouets. Oh non, elles sont pas là non plus. T'aurais vu trois petites filles dans le coin? Avec leur père, je pense. Mais elles n'ont plus de père! Maintenant, on va prendre quelque chose à manger. Allez-y, régalez-vous. Ah, heureusement que vous allez bien! Vous m'avez fait tellement peur, les filles! Merci beaucoup d'avoir pris soin d'elles! Pas besoin de me remercier, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suppose que c'est ce qu'on appelle le destin, hein? Est-ce que ça veut dire que tu veux sortir avec moi, finalement? C'est pour toi. Ça sent si bon. Au fait, Kylie, veux-tu m'épouser? Oh, je m'y attendais vraiment pas. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Alors oui, je vais t'épouser. Oh, Kylie, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. On sera ensemble pour toujours. Oh, tu vas le regretter, Kylie. Félicitations pour l'achat de votre propre maison. C'est l'endroit idéal pour fonder une famille. Wow. J'aime déjà cet endroit. Eh bien, profitez bien, les tourtereaux. Oh oui, t'en fais pas pour ça. Oh, nos invités vont bientôt arriver. Dans ce cas, on devrait vite se préparer. On forme une super équipe. Eh bien, bienvenue à la fête. On va bien s'amuser. Waouh, votre maison est tellement mignonne et douillette. On a travaillé dur pour la décorer. Oh, on n'oublie pas quelque chose? Ah ah! Te voilà! Oh, Martin, j'ai attendu ce moment si longtemps! Je t'aime! Désolée, Pinky, mais mon cœur appartient à Kylie! Oh, c'est ce qu'on verra! Il faut que tu goûtes à ça, chérie! Oh, c'est délicieux! Je t'aurai, quoi qu'il en coûte, Martin! Très bien! Il est temps de travailler sur mon prochain chef-d'œuvre! J'adore mon boulot. Bonjour, chers collègues. On a beaucoup de travail aujourd'hui. Oh, regardez-moi qui est là. Voici mon rapport, monsieur. T'appelles ça un rapport, hein? Mais j'ai travaillé très dur dessus. Eh bien, travaille encore plus dur. Recommence. Tout de suite, monsieur. J'espère que ça va plaire à Martin. Bonjour, chérie. Comment s'est passée ta journée? Ah, c'était horrible. On va encore manger des pâtes. Hein? T'as un problème avec ça? Ouais, tes pâtes sont dégueu. Alors t'as qu'à aller manger ailleurs. Volontiers. Qu'est-ce que t'aimerais commander? N'importe quoi, tant que c'est pas des pâtes. Comme tu voudras, monsieur. Bon appétit. Tu peux manger tes pâtes toute seule, Kylie. Martin, qu'est-ce que tu fais là? Bref, peu importe. Et si tu m'offrais un verre? T'as bon goût, tu sais. Ouais, j'aimerais bien que Kylie comprenne ça. Elle te comprend pas aussi bien que moi, c'est tout. Vous voulez autre chose? Ouais, on aimera ton meilleur dessert. Tenez. Alors, t'as des projets pour la soirée? Eh bien, j'ai quelques idées. Oh, ça me tente aussi. Alors, pourquoi tu viendrais pas à la maison?
Avec plaisir. Très bien, on est arrivé. Vas-y, fais comme chez toi. Hé, hey, tu veux regarder un film? Ouais, bonne idée. C'est comme si on était au cinéma chez toi. Oh, Martin, quand est-ce que tu vas revenir? Ouf, je me sens pas très bien tout d'un coup. Je vais aller faire un test. Hein? Est-ce que je suis enceinte? Très bien, installe-toi. Je vais jeter un œil à ton ventre. Félicitations, tu vas avoir un bébé. Oh, Martin va être tellement heureux. Je vais lui faire la surprise. Rentre vite à la maison, chérie. Où est-ce que tu t'es enfui, Martin? Je t'attends depuis si longtemps. Oh non, j'ai fait une terrible erreur. Bonjour, mon chéri. Pinky, ça aurait jamais dû arriver. Oh, tu vas regretter d'avoir dit ça. Est-ce que notre relation est terminée? Bonjour, chérie. Je suis vraiment, vraiment désolée. Martin, c'est toi? Oui, j'ai fait une erreur. T'inquiète pas, mon amour. On surmontera ça. Tiens, Kylie, c'est pour toi. Oh, tu m'as apporté mes fleurs préférées. Tu m'as tellement manqué. Oh, Martin, j'ai une surprise pour toi aussi. Vas-y, ouvre. Je suis enceinte, chérie. Wow, on va avoir un enfant. Oui, on va bientôt devenir parents. On doit fêter cette occasion. J'espère que ça te dérange pas. J'ai invité quelques personnes. Oh, qui t'a invité exactement? Oh, juste ma copine et son petit ami. Eh bien, je suis sûre qu'on s'entendra tous très bien. Ah, vous voilà, les tourtereaux. Oh, chérie, qu'est-ce que t'es chou. Très bien, la fête est finie. Pinky, pourquoi t'es venue seule? Oh, eh bien, Jack se sent pas très bien aujourd'hui. Bref, en tout cas, je suis trop contente de te voir. Hé, hey, salut tout le monde. Hé, hey, Jack, t'es pas censé être malade? Ouais, tu m'as l'air d'aller bien. Non, je suis en parfaite santé. Ah, bravo pour avoir ruiné mon plan, Jack. Encore elle. Qu'est-ce qui t'appelle, Martin? C'est Pinky. Hein? Il s'est passé quelque chose? Je crois qu'elle est malade ou quelque chose comme ça. Tu peux aller la voir? Ok, mais seulement parce que c'est toi qui demandes. Qu'est-ce qui va pas, Pinky? Rien, j'avais juste envie de te voir. Je peux pas croire que t'aies menti au téléphone comme ça. Et moi, j'arrive pas à croire que tu sois encore avec Kylie. Je la quitterai jamais. Surtout pas pour toi. Oh, c'est ce qu'on va voir. Vas-y, régale-toi, ma chérie. Oh, Martin, merci beaucoup. Oh, on n'attendait pas d'invité aujourd'hui, pas vrai? C'est peut-être le facteur. Hein? C'est un cadeau? T'as commandé quelque chose aujourd'hui, chérie? Non, pas du tout. Martin, je peux pas le croire. Sale traître! Mais c'est pas moi. Arrête! C'est fini entre nous. Attends, c'est pas ce que tu penses. Oh, je me sens pas très bien tout d'un coup. Oh non, le travail commence? J'ai peur qu'elle soit dans un état critique. Aide-la, docteur. Chérie, tu vas bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Toi, va-t'en d'ici, et tout de suite. Oh, je vois. Vous avez reçu mon petit cadeau, c'est ça? Ma précieuse épouse va bien, docteur. Oui, mais je crains qu'elle ait perdu le bébé. Oh, c'est terrible. Comment ça, perdu le bébé? Je suis vraiment désolée, madame. Oh non, j'y crois pas. Tout ça, c'est à cause de toi, Martin. Je demande le divorce. Oh non, j'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, bestie. Essaye de rester calme et de reprendre des forces, miss. Mais Kylie, je t'aime. Tu m'as trahi, Martin. Oui, je suis désolée. Tu m'as gâché la vie. On peut encore tout arranger, tu sais. Tu as déjà eu ta chance. Merci de m'avoir sauvé la vie. En espérant que ça se reproduise plus, miss. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, Kylie, reviens à la maison avec moi. Non, je te quitte pour de bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Kylie, où tu vas? C'est un adieu, Martin. Chérie, reviens, s'il te plaît. M'abandonne pas. Désolée, j'ai déjà pris ma décision. Mais on était parfaits l'un pour l'autre. Eh bien, on n'est plus parfaits. Je me souviendrai de toi toute ma vie, mon amour. Bonjour, j'aimerais une nouvelle coiffure. T'es venue au bon endroit pour ça.
Au travail. Et c'est parti. Wow. Je vais pouvoir repartir de zéro maintenant. Je crois que je vais quitter cet endroit pour de bon. Et bon voyage, Miss. Où tu aimerais aller, Miss? Avatar World, hein? Oh, tu vas adorer. Super, l'aventure m'attend. Oh, j'adore ce petit train. Salut, je m'appelle Ashley. Au fait, bienvenue dans Avatar World. Merci, je suis contente d'être ici. Viens, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. T'en penses quoi? C'est parfait, je pense que je vais rester ici un bon moment. S'il te plaît, chérie, décroche le téléphone. Ah, lâche-moi la grappe un peu, Martin. Est-ce que c'est vraiment la fin pour nous deux? Bonjour, profite bien de tes achats. Oh, t'as vraiment bon goût. Merci et à bientôt. Je crois que la chance tourne enfin. Je suis sûre qu'un peu d'exercice me remontera le moral. C'est génial. Eh, hey, salut, t'es nouvelle ici, bah ben ouais. Oh, ouais, j'essaie juste de repartir de zéro, tu vois. Oups, je suis vraiment désolée. Oh, t'en fais pas, ce genre de choses m'arrive tout le temps. Au fait, tu veux qu'on se voit plus tard? Oh, Kylie, où est-ce que t'es partie? Tu me manques tellement. Très bien, je vais venir te chercher. Un billet pour Avatar World, s'il te plaît. Le prochain vol. Voilà, monsieur, mon voyage. C'est mon endroit préféré ici. Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial, ce bar est vraiment sympa. Kylie? Qui c'est lui? Martin? Qu'est-ce que tu fais là? Bon allez, viens Dennis, on s'en va d'ici. Oh ouais mon pote, tu feras mieux de te tirer. Pourquoi les choses peuvent pas redevenir comme avant? Bonjour tout le monde. De quoi j'ai l'air? Je suis superbe, pas vrai? C'est enfin le moment d'aller dans ma nouvelle école. Bonne journée ma chérie. Tu nous ramènes des A, d'accord? Je ferai de mon mieux. Oh, et oublie pas de prendre ton argent de poche. J'en ai pas vraiment besoin. Allez, discute pas avec tes parents. Si tu le dis, maman. Bon, on se voit ce soir. Oh, t'es une fille vraiment merveilleuse, Molly. C'est le moment d'étudier dur et d'avoir de bonnes notes. Salut, je m'appelle Annie. Hello. Moi, c'est Molly. Tu veux qu'on soit copine? Bien sûr. Ah, on t'a attrapé, Kevin. Tu nous échapperas pas. Ouais, ça sert à rien d'essayer. J'espère que t'aimes les araignées. Oh non! Oh, allez, sois pas timide. Oh, on devrait le relooker aussi. Regardez-le un peu. Maintenant, va-t'en. Il monte plus ta tête ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hey! Hey, laissez-le tranquille, d'accord? Hein? Tu te prends pour qui à nous donner des ordres? Vous avez pas le droit d'embêter vos camarades de classe comme ça. Ouais, c'est ça. Dégage, espèce de loseuse. Et remets plus les pieds ici. Je vais le dire au principal. Ah ouais? On aimerait bien voir ça. Viens, Molly. On devrait y aller. Regardez-moi ces poules mouillées. On va vous apprendre à pas se frotter à nous. Hé, tu vas bien? Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Oh, c'était rien. Mais pourquoi elle te faisait ça, en fait? Il y a plein de tyrans dans cette école. Je suis sûre que tout finira par s'arranger. Voilà, t'es beaucoup mieux maintenant. Super, on devrait se dépêcher d'aller en cours. Ouais, faut pas qu'on soit en retard. J'ai hâte que le cours commence. Ah, encore toi. Tu fais rien pour attendre, toi. Hé, nous dérange pas pendant qu'on étudie. Ouais, il y en a qui sont ici pour apprendre, tu sais. Très bien, aujourd'hui, vous allez passer un test. Trop cool! Oh, il y a beaucoup de questions! Oh là là, c'est vraiment pas juste! Désolée, les règles, c'est les règles. Oh là là, je meurs de faim aujourd'hui! Trop bon! Ouais, c'est vrai que c'est délicieux! Hey, tu veux parier que je peux avoir un rencard avec cette jolie nana? Prends-en de la graine, mec! Salut, je m'appelle Adam, et toi? Je suis Annie! Moi, c'est Molly.
T'es vraiment belle, Molly. Merci, c'est gentil. Tu veux qu'on prenne un selfie ensemble? Oh. Pas question. On dirait que t'as perdu ton pari, mec. Allez, je peux encore y arriver. Alors tout ça, c'était qu'un pari? Bah ouais, pourquoi je te parlerais sinon? Dégagez d'ici. Ouais, allez vous faire voir. Je peux pas croire qu'ils aient fait une chose pareille. Allez, Molly, t'énerve pas pour ces nazes. C'est la pire école où j'ai jamais été. Je pense que tu devrais te calmer un peu. T'as raison. Oh, regardez, c'est la nouvelle. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, tu devrais pas être en train d'étudier en ce moment, espèce d'intello. T'es vraiment une minable. Et on pourrait peut-être éviter. T'inquiète pas, ça fera pas mal du tout. Quelqu'un m'aide! Et voilà! Ça te plaît? Oh, et une dernière chose. Pourquoi vous êtes si méchante? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Hé, hey, on fait rien, je te jure. Laissez ma copine tranquille. Pas de soucis, on s'est déjà bien amusé. Parfait. Ouh, j'avais justement envie de boire un soda. Ça va aller, ma belle, je vais t'aider. On peut pas laisser passer ça. Il faut le dire au principal. Ah, quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas? C'est l'heure de prendre un goûter, tu crois pas? Carrément. Tiens, régale-toi. Monsieur Ewald, votre école est horrible. Comment ça? Il y a des tyrans dans tous les couloirs. Pas du tout. Molly a juste une imagination débordante. Annie, où t'es? Oh non, on l'a kidnappée. Au boulot. Il nous faut des A à nos examens. Je vais pas faire votre travail à votre place. Annie, t'es là? Ouais, et elle est notre otage. On la laissera pas partir tant qu'elle nous a pas aidés. Ça suffit, on s'en va. Non, je crois pas. Tu vas rester ici. Oh, ça va trop loin. Venez par là. Hé, criez pas comme ça en classe. Toutes les deux, dans mon bureau. Et tout de suite. Mais j'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu faisais, au juste? C'est Molly qui a commencé, je le jure. Je le savais. Et oui, monsieur Ryan. C'est vraiment pas juste. Bon, Molly, va-t'en et recommence plus. Oh, quelle sale journée. Hé, t'as cassé mon téléphone. Maintenant, tu vas devoir me rembourser. Tenez, et laissez-moi tranquille maintenant, ok? Wow, c'était trop facile. Ouais, c'est vraiment une loseuse. T'as plus de fric, c'est ça? Je m'en vais. On se reverra à l'occasion. On a réussi. Ouais, bien joué, Adam. On va la faire virer d'ici en un rien de temps. Bientôt, elle quittera notre école pour de bon. Maman, papa, vous êtes là? Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Est-ce que quelqu'un t'embête à l'école? Oui, il y a que des tyrans dans cette école. Quoi? Ok, on va s'en occuper. Cet endroit est horrible. Les tyrans forment une sorte de clan. Et le principal les laisse faire. Oh, j'arrive pas à y croire. Fais attention, d'accord, ma chérie? Les choses iront mieux demain. J'en suis sûre. Ok, on dirait que la voie est libre. Ah, non, je crois pas. Mais laissez-moi tranquille, ok? Donne-nous tout ton fric. Puis on te laissera tranquille. Puisque tu l'as demandé si gentiment. Mais j'en ai même pas sur moi. Eh bah, tu ferais mieux d'en trouver. Sinon, tu vas avoir des ennuis. C'est tout ce que j'ai. T'as fait le bon choix, ma belle. La situation s'est pas améliorée du tout. Qu'est-ce qui va pas, Molly? Ils ont pris tout l'argent que mes parents m'ont donné. T'inquiète, on va aller se remonter le moral en allant faire du shopping. T'as vu tout ça? Ouais, c'est trop cool. Où on est, au juste?
dans un endroit qui va nous régaler. Voilà où on est. Viens, on va se faire plaisir. Regarde, voilà nos cocktails. Ah, je me sens déjà mieux. Ce truc est trop bon. Ouais, j'ai jamais goûté une boisson aussi délicieuse. C'est mon père. Oui? Wouhou! Je vais enfin quitter cette école horrible. Tu vas plus aller à l'école? Ouais, mon père s'en est occupé. Mais, et moi alors? Je suis sûre que mon père t'aidera aussi. Papa, je te présente Annie. Bonjour, monsieur. Eh bien, les filles, voilà la situation. On va ouvrir notre propre école. Quoi? C'est génial! Waouh, cet endroit est incroyable! Et il n'y a aucun tyran ici! Moi aussi, je veux étudier là! Bien sûr, on va te transférer immédiatement. Sympa, cette école, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'en ai jamais entendu parler avant. Quelqu'un doit nous faire une blague. Je peux pas croire ce que je vois. On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Un établissement appelé la Gentille École vient d'ouvrir juste à côté de chez nous. Monsieur Ryan, vous devez voir ça. Oh, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Comment je peux vous aider? On n'a pas besoin de Gentille École dans le coin. Vous vous en tirez pas comme ça. Pourquoi on laisserait pas les enfants décider eux-mêmes? Pas question. Vous allez regretter de vous être mis en travers de mon chemin. La seule école dont ces élèves ont besoin, c'est la nôtre. Vous essayez de me menacer? Papa, est-ce que tout va bien? Je me laisserai pas intimider. Alors là, tu sais pas à qui t'as affaire, mon pote. On vous battra en un rien de temps. Moi, ça m'étonnerait. On va diriger la meilleure école de tous les temps. Très bien, les filles. On s'en va maintenant. Oh, ils vont payer pour ça. J'aimerais aller dans votre école, s'il vous plaît. Bien sûr, jeune homme. Hé, c'est notre élève. Non, plus maintenant. Allez, on doit y aller. C'est bientôt l'heure d'aller en cours. En effet, maintenant, si vous voulez bien nous excuser... Ah, ils nous en ont pris un aussi. Hein? Encore un autre? Ouais, je veux aussi aller dans leur école. Espèce de traître. J'espère juste plus jamais avoir ta tête. Hé, hey, reviens par là, toi. Cette école est condamnée. À ce rythme, on n'aura plus aucun élève demain. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? J'en ai trop marre. Où sont tous les losers qu'on a l'habitude d'embêter? On va vous remonter le moral, les filles, avec un petit examen. Vous pouvez dire merci aux élèves qui sont partis dans l'autre école. Désolée, les filles, mais je vais m'en aller, moi aussi. Je peux venir aussi étudier ici? Ah, pas question! On est venu là exprès pour s'éloigner de toi. Je suis désolée d'avoir été méchante avec vous. Qu'est-ce que tu fais là, Pinky? J'aimerais aller dans votre école. T'es sûre que t'as ta place ici? Ouais, tu ferais mieux de pas rester là. Les tyrans sont pas les bienvenus ici. Ah, je vous ai déjà dit que j'étais désolée. Je te crois pas. T'as rien à faire ici, Pinky. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je suis désolée, mais tu l'as cherché. Reviens plus jamais ici. Je me sens un peu triste pour elle, les gars. Laisse tomber, Pinky changera jamais. On sera mieux sans elle. Bref, le cours va bientôt commencer. Ouais, on va tous étudier ensemble. Dans une école comme celle-ci, apprendre est devenu un jeu d'enfant.